Recette d'improvisation pour cuisiner un plat de funérailles. Choisir un couteau à l'affection tranchante. Prendre une vieille planche à découper, en acajou si possible. Laver-la 10 fois, au moins. Disposer des oignons en arc de cercle. Prenez les fraises éclatants. Choisissez le plus jeune. Fixez le parent mort sur ce petit rond. Ôtez-lui la peau sur un air nostalgique, avec délicatesse. Maïdish Mama. Balayez les pelures vers le journal d'hier. Veillez à accuser la marche entre la planche et le papier. Enveloppez les peaux dans le journal d'hier avant de les jeter aux ordures. Ne pleurez pas sans raison. Fixez l'oignon, coupez, coupez, à ras de nez. Puis, appliquez-vous à copier la recette de cuisine la plus typique de la personne disparue. Signez son cœur en flageolet et offrez-le à manger. Mettez de l'ail et du remords, même faim. Amollissez les froideurs, faites monter la douleur qui baigne ce commerce. Servez. Attendez que l'on en réclame encore. Évoquez sa mémoire en rire brisé. Invitez chacun à s'exprimer. Mariez pitance et pénitence. Repentance. Éteignez les chauffages. Isolez tout enfant dans une chambre ou un débarras. Veillez surtout aux horaires des cérémonies. Faites-vous aiguille servile, que les consorts ne s'oublient pas à table. L'heure de l'office va sonner. Vous avez réuni le plus possible d'invités. Dans une cathédrale quelconque, faites un discours et gonflez la tête de l'assemblée. L'officiant religieux vous aidera dans cette tâche. Il parlera du chemin de vie, du chemin de croix et l'évocation singulière de sa vie au travers de votre témoignage incarnera cela. Que les pleurs soient forts, que les murs résonnent, résonnent, que les mains se joignent et qu'on auréole le mort et son cuisinier. C'est